Ok, alors je vais démarrer mon minuteur. Et oula, j'ai plus beaucoup de vie. Ah oui, d'accord, j'étais sur ta base. Oh putain, il y a des mobs. Oh, Attends, je vais rentrer. j'arrive. Attends. Démarre quand tu veux. Je suis sur le jeu. Et je suis aussi. Ok, je vais rentrer dans la base classique et je vais miner pas mal. Est-ce que tu te sers de blocs tout ce qui est diorite, andésite et tout? Pour l'instant, non, mais pourrait peut-être à l'avenir. D'accord, Mais parce là, que pour ça. l'instant, je fais un truc simple. Ouais, parce que ça pourrait m'être utile pour mon bâtiment en fait. Mais là, je vais surtout miner. T'as lancé du coup? Ouais, mais c'est, je t'ai dit. Je suis sur le jeu. Et fais gaffe, sur ta base, il y a des mobs. Si ça t'intéresse, j'ai trouvé du lapis-lazuli. J'en ai aussi ramassé plein. Ouais. Attends, je ramasse du charbon. En fait, le charbon. D'ailleurs, tu sais, tu vois à quoi ils ressemblaient les blocs avant de minerai. Ouais, un Ben, tu peu. vois, quand je jouais sur le Minecraft de tablette, comme les minerais, quand on les pétait, ça donnait rien. Tu vois, c'était une version démo. Et du coup, en fait, je pensais que c'était des minerais qui étaient vides, en fait. Qu'il y avait rien. C'était des trous, en fait. Et d'ailleurs, ce bloc, il Ah, me le fait. charbon. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, il me faisait un peu peur, ce bloc. Avoir peur du charbon. Ouais. Attends. Par contre, si jamais tu ramasses des fleurs par accident et tout, tu le mets dans mon coffre privé. Je vais en servir pour ma base. Attends, andésite. Ça, je sais pas ce que c'est. Diorite. Ça, je. Oh. Tu pourras me farmer des buffs de sapin, s'il te plaît. Oui, si tu veux. Dans le coffre, t'en as à peu près. T'en as presque deux stacks. Il fait jour là? Je pense que je vais. Non, non. Bah non, il Je commence à pense faire. que Oui. je vais vite les utiliser. Ouais. De toute façon, moi, j'aime pas trop construire avec le sapin, sauf des, je sais pas, des trucs dans la montagne et tout, parce qu'en fait, le sapin, je trouve ça pas forcément très très joli. Je préfère vraiment le chêne. L'acacia, c'est sympa, mais c'est, tu vois, l'acacia et l'acajou, c'est un peu bizarre quand même comme couleur. D'accord. J'aime bien aussi le bouleau. Bon, le bouleau, des fois, ça fait un peu moche. Mais j'aime bien utiliser les bouleaux, comment dire, les bûches. Je trouve ça très joli. Après, en général, je crois que pour les constructions, c'est le chêne massif qu'il faut utiliser. Ah, le chêne noir, c'est ça, le gros chêne On laisse tomber. qu'il y a dans les forêts noires. Bon, en vrai, ils sont tous bien les bois, mais Ouais. ça dépend des goûts de chacun. Ouais, ce qui est chiant par contre, c'est quand ils ont fait la mise à jour de. Tu sais, avant, tous les trucs en bois, pas les blocs, mais genre les barrières, les trucs comme ça, c'était que en chêne. Et quand tu les C'est fabriquais pas avec du chiant. bois, d'autres bois, ben, ça faisait le loop de chêne. Moi, je trouve ça très cool qu'ils aient fait les autres bois de couleur comme ça. Mais le problème, c'est que déjà, si t'as pas bien géré ton inventaire ou les trucs comme ça, ben, des fois, tu te retrouves avec des constructions. Ça arrive. Enfin, il y en a certains joueurs, ils font des constructions très moches ou des trucs comme ça. Ou des fois t'es gêné parce que tu sais juste les barrières ou tout comme ça, tu sans faire exprès t'as utilisé le mauvais bois et tu te dis ah ben merde. D'accord. Ouais. Ok, j'ai du charbon. Tu sais avec de l'argile on peut faire des briques et avec les briques on peut faire des blocs de briques. Ouais. Tu sais ce que c'est l'intérêt de ce bloc? C'est, tu peux faire un truc RP. Non, oui, tu peux faire des maisons un peu modernes, mais c'est surtout en fait c'est très solide. Et en fait un creeper, j'ai testé un creeper juste à côté d'une maison que j'avais construite en briques, ça a fait péter juste un seul bloc.
Après, ça dépend de la distance du creeper aussi. Oui, aussi, il y a ça. Mais c'est très résistant, et pour si tu veux faire des maisons résistantes aux creepers, tu veux faire une base solide, genre une salle des coffres, un truc comme ça peut être très bien. Tiens, là, j'ai quelques planches, j'en ai 7. Non, c'est pas de sapin que j'ai besoin. C'est des bûches de sapin Ah, d'accord. où là j'ai besoin du chêne Là, aussi. t'en as. Attends, regarde. Je te les mets en première ligne juste après le cuir. T'en as un stack plus un gros pack. D'accord, merci. Ouais, bon, c'est celui-là ton coffre personnel? Là où je suis? Ah non, c'est celui-là, ouais, d'accord. Mon coffre personnel, c'est celui où il y a le lit. D'accord. Ouais, je vais miner alors. J'ai pété mes pioches. Et aussi le four qu'il y a au-dessus de mon coffre, c'est mon four personnel. M'as pas chouré du charbon, non? Non, tout le charbon que j'ai, je l'ai miné. Mais tu me l'avais demandé, je crois, dans le dernier épisode. Tu sais, j'oublie après. Ouais. Je suis même pas sûr que c'est le dernier épisode. Enfin, si tu m'avais demandé si je t'avais pas chouré un truc, je suis pas sûr que c'était du charbon que tu m'avais demandé. Mais c'est possible que ce soit ça. Attends, mais c'est du lapis-lazuli? Du lapis, là? Ouais, mais par contre, non, 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 faut une pioche en fer. Non, je sais, j'ai une pioche en fer, Ouais, j'en ai pas mais besoin pour l'instant. Mais le je savais lapis pas que tu lazuli, venais ici. le lapis, ouais, ça m'étonne parce qu'on n'est pas très profond. Mais le lapis lazuli, je te conseille, l'utilise pas pour les teintures. On va s'en servir pour les enchantements. T'inquiète, non, mais je sais. Ouais. Il joue à Minecraft quand même Tu aussi. vois, le youtubeur anglophone qui était vraiment dans les débuts de Minecraft, Mister Stumpy Cat. Celui qui a un Ouais. skin de Dom Chat, Dom Chat jeune. Ok, c'est un youtubeur que je regardais beaucoup quand je débutais dans Minecraft, même avant d'y jouer. Et du coup, en fait, il avait un serveur avec ses potes où ils faisaient de la survie, des trucs comme ça, et ils avaient construit une ville. Et des fois, ils construisaient des trucs un peu what the fuck, genre ils construisaient, je me souviens d'un épisode qui m'avait marqué, ils avaient construit une sorte de creeper géant en laine, et à l'intérieur, t'avais un circuit de rails qui faisait un peu train fantôme, un truc comme ça un peu. Et bah tu vois, j'aimerais bien faire que sur notre partie, là, on construise plein de villes ou des trucs comme ça, par exemple. Comme tu veux, ben on Ouais. verra au fur et à Par mesure. contre, si on veut faire genre un truc moderne, même moi pour mon projet, il nous faudra trouver un désert parce qu'il me faudra beaucoup, beaucoup de sable pour faire du verre. Ok. Il nous faudra peut-être même, si un désert pas trop... Enfin, ouais, non, faire un chemin de fer, c'est trop coûteux. Ouais. Mais vraiment, si on trouve une mine abandonnée, il faut vraiment ramasser tous les rails parce que ça peut être utile. Oh merde, je suis con. Non. Non, j'étais en train de miner vers le haut et du coup j'ai ouvert la maison. C'est pas grave, j'ai rebouché. Aussi, sinon, je t'avais dit le spawner à squelette, il sera. Enfin, faudrait essayer de faire un truc pas automatisé, mais un truc un peu mieux. Oui, pour Ça qu'on sera puisse les péter de manière sécurisée. sur la gauche. Non, non, mais il faut pas le péter le Non, je spawner. veux dire péter les squelettes. Attends, je regarde s'il fait jour. Ok, attends, est-ce que j'ai lancé mon minuteur? Ouais. Alors, est-ce qu'il fait jour? Bah oui. Attends, je vais un peu ranger quelques blocs. Super, j'ai trouvé un minerai de un diamant. Ouais, mais c'est déjà bien. Ah, un deuxième. Ah, un troisième. Et je crois que c'est tout. Tu veux que je te mine un peu de... Comment ça s'appelle? Du sapin? Ouais, si possible, si t'es Ouais, pas parce que là, trop pris. il y en a deux beaux qui ont poussé. Enfin, deux petits. Oh, et par contre, je vais ramasser les baies. Ah, mais le truc, c'est les baies, faut pas faire juste un tas, en fait. Faudrait mettre une ligne sur deux, en fait. T'inquiète, t'inquiète, j'optimiserai ça plus tard. Ouais, attends, si tu veux, je le fais tout de suite. Alors, sinon, alors, je crois que j'ai trouvé, tu sais, enfin, Le quoi? le Warden. Alors, on n'y va pas, par contre. Non, non, mais j'ai pas trouvé le Warden, mais j'ai trouvé déjà deux trucs bizarres. La ville? Bleu, là. Ah, Non? des flammes bleues? Ouais, il y a un bruit aussi. Pas des flammes bleues, d'une sorte de lierre bleu, mais Ah. Ah, je non! regarde autour. Comme les trucs qui... Les pousses. Enfin, les trucs qui poussent, là. Les lianes, un peu.
Ouais, il y a un bruit bizarre là, je vais essayer de chercher. Attends, tu veux que j'aille avec toi juste pour voir? Attends, je fais un peu de culture et je te rejoins. Je veux juste voir en fait. J'entends un bruit bizarre en tout cas. Ah, par contre, ce serait con que le Warden il soit juste sous notre base. Ah, bah, je suis mort. Oh. C'est pas grave, de toute façon, j'avais presque plus Ah de vie. ouais, je crois que j'ai trouvé ce fameux nouveau biome. Ouais, par contre, tu vois les trucs qui ressemblent un peu à des bouches, enfin à des crocs là. Enfin, faut pas. Fais attention où tu marches parce qu'en fait, t'as un bloc. Quand tu marches dessus, ça attire le Warden. Attends, je te montrerai. Ne bouge pas. Ah ouais, non, c'est juste une. Ouais, non, je crois pas que ce soit un truc. Déjà, on peut pas récupérer les blocs, j'ai l'impression. Ah, je sais pas, je connais pas trop. Attends, t'es où? Ouais, non, on peut pas récupérer. Attends, faut aller où pour te rejoindre? Faut aller tout droit ou faut. Attends. Tout droit. Ok. J'ai peut-être trouvé. Attends. Non, ouais, Je sais attends, pas à attends, quoi je. il ressemble le bloc pour le Warden, en fait. Attends, surtout. Non, Enfin, ne il bouge reste. pas! Ne bouge pas! Ne bouge pas, je crois que t'as fait une connerie là. Catalyseur de Skulk, attends, je Non, vais aller non, voir. n'y va pas! N'y va pas! Attends, bouge pas, bouge Mais pas! t'inquiète, oh. Voir sur internet. Par contre, faut éclairer un peu parce que là, il y a des endroits où t'as laissé de l'ombre et tout, ça peut faire spawner des mobs, ce serait un peu con. Skulk. Oh, on a trouvé de l'améthyste. C'est beau Ah, ça. mais non, c'est juste un truc qui propage le fameux bloc, c'est pas une connerie. Ah, ok, d'accord. Ah, sinon c'est bien une cité ancienne, le Ah oui, biome. attends, bouge pas, bouge pas. Ah, mais t'inquiète, oh, tu pourras voir. Non, c'est pas juste pour que tu casses pas de trucs, parce que. Bon, j'ai utilisé toutes mes torches et il n'y en a pas assez. Y a aussi un peu de lave, donc tu fais gaffe. Ouais. Bon, ça va, j'ai pas d'item un peu. Ah ouais, par contre, j'ai quelques blocs, mais pas des blocs rares. C'est une soi-disant ville, mais il n'y a pas de bâtiment. Ah, j'ai trouvé le spawner à squelette. Attends. Oh, c'est cool, t'as fait juste en dessous du coffre. C'est énorme, ça sert à rien, mais c'est joli. Et on peut taper en plus, j'ai l'impression. Ah, ok, ouais. Attends, je vois où t'es. Attends, mais t'es où exactement? Mais là, tu vois bien le truc bleu. Je Oui, regarde j'y juste s'il suis. n'y a pas autre chose. Mais c'est ça que j'ai trouvé. T'es où? T'es dans la sorte de grotte un peu? Bah, c'est moi qui ai creusé. Attends, je te trouve pas. Bah, je suis là. Tu me vois? Ah, ok. Alors, il y a un bloc. Il y a un bloc, Nicolas. Je sais pas si c'est ça ou si c'est un autre truc, mais t'as un bloc qui est un peu bizarre où t'as des trucs qui dépassent. Faut surtout pas marcher dessus parce que ça réveille le Warden. On Ouais, peut mais là, tester. j'ai pas l'impression qu'il y a un spawner à Warden. Ouais, mais attends, doit y avoir Ah, une. viens, viens, regarde là, ce bloc. En gros, viens. Ouais. Quand tu tiens, ne casse pas. Quand tu tiens un mob à proximité, ça, j'ai l'impression, je crois que Ça les ça attire? propage le truc. Non, ça propage le machin. Mais sinon, c'est un peu petit, j'ai Ah, l'impression. ok, ouais. Bon, ça, c'est pas méchant, mais il y a un truc, je crois, il est beige ou. Beige et bleu, comme ça, tu vois, le beige un peu. Et je sais plus à quoi il ressemble exactement, mais ça ressemble un peu à une sorte de bouche. Et c'est très. Disons, c'est pas. On peut péter les blocs? Oh merde. Ouais, mais ça donne de l'XP. Juste ne casse pas le bloc qui permet de propager. Ouais. Viens, on rentre. Moi, je continue à miner. Ouais. Parce que moi, j'ai des trucs. Par contre, attends, c'est quoi ce. Bah, sinon, c'est tout petit en Par fait. contre, c'est quoi ce bloc qui ressemble un peu à minerai? Ah non, c'est juste de la liane. Non, Okay. c'est bien. Ouais. Bon, bah, je vais retourner vers la surface. Tu veux que je te pète un peu de l'arbre? Ouais, s'il te plaît. Oh merde, je me suis fait mal. Par contre, tu m'as fait flipper quand t'as dit qu'il y avait ces blocs-là parce que j'avais peur que t'actives le Warden ou un truc comme ça. Surtout, j'ai jamais vu de vidéo de combat contre le Warden, du coup, je sais pas trop comment faire. Mais je sais Après, de qu'il. façon, il respawn. Hein. Ouais. Non, c'est surtout que c'est un boss en fait. Ah, d'ailleurs, il est sorti en Lego. Par contre, c'est joli, t'es là, ton pont là dans la salle du cristal. Mon quoi? T'as fait un pont dans la salle du cristal pour aller tout droit. C'est très Bah joli. oui. Ah, merci. Par contre, tu mettras des torches là où il y a de l'ombre parce que voilà, quand même. Mais non, mais les mobs là, enfin, je crois pas, enfin, j'ai pas eu de mob qui spawn, donc pour l'instant, je vais pas vraiment le faire. Mais sinon, si c'est que tu vois mal, augmente ta luminosité. Ouais, mais c'est je vois bien, mais c'est j'ai mis la lumineuse de maximum, mais c'est juste je vois pas qu'il y ait de mob qui spawn. D'accord.
Ouais, par contre, c'est chiant de monter les escaliers. Tu fais pas une mise à jour à côté? Non, Pourquoi? 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 Non, je sais pas, des fois j'ai l'impression que je casse des blocs et ça. Et ça les casse pas. Enfin, c'est peut-être moi. Ah. Faufilez-vous près d'un capitaine Skull pour un Warden? Ouais, non, je crois pas qu'il y ait de Warden. C'est Ouais, bizarre. il y a peut-être des fois des blocs un peu comme ça ou des genres de biomes, mais ouais, mais je pense qu'il faut quand même faire gaffe. C'était le bloc de Skull qui a fait ça, je pense. Ouais, je suis quoi? Ah ouais, faudrait faire tous les succès de Minecraft aussi. Ah ouais. Ouais, ça peut être un objectif. Ok. Décidément, je trouve plein de charbon. La richesse. C'est une fois j'avais vu un documentaire qui parlait en fait à la fois de la géologie préhistorique, c'est la formation, le carbonifère, les trucs comme ça, et également de la tout ce qui était révolution industrielle et l'industrie, et qui t'expliquait comment le hasard, c'est-à-dire comment les roches et tout se sont formées, qu'il y a eu du charbon et trucs comme ça, le hasard a permis à certains pays de se développer en fait. Ah ouais, pour le pétrole Le aussi. pétrole, les diamants, les trucs comme ça. Le diamant, je crois que maintenant ils en font, ils peuvent même en faire de l'industriel. Du Artificiellement? synthétique, du synthétique. Oui. Voilà. Mais alors sur le marché, je sais pas si ça a fait baisser la valeur du diamant ou si c'est exactement la même qualité. Mais en tout cas, l'utilité du diamant, outre les bijoux et les trucs jolis, c'est que ça, c'est, tu sais, c'est très dur et tout, comme les pièges dans Minecraft. Et ça peut être, c'est très utile pour l'industrie. D'ailleurs, tu sais, le marbre. Ouais. Ben aujourd'hui, pour le miner, pour que ce soit bien droit, pour que ce soit bien coupé, pour que ce soit, parce que c'est très fragile. Une statue en marbre, c'est très difficile à faire à la main parce qu'en fait, ça peut se péter à n'importe quel moment si tu fais pas bien. Mais du coup, pour bien miner le marbre, en fait, ils utilisent des sortes de scies en diamant. Tu vois, des scies un peu tronçonneuses. En diamant carrément. Non, mais c'est juste les sortes de les extrémités qui coupent en fait, qui sont faites en diamant. D'accord. Et le truc, tu vois, en fait, c'est pas c'est comme une tronçonneuse, mais tu vois, c'est un peu une sorte de courroie, tu vois, c'est pas solide. Enfin, tu vois, c'est un peu comme tu vois un peu comme un élastique à peu près la forme. Et du coup, les ouvriers qui y travaillent, à n'importe quel moment, s'il suffit qu'ils aient pas bien calculé ou un truc comme ça, et ben ça peut leur pâter la figure et les tuer. Bah même avec une tronçonneuse normale, faut faire gaffe. Ouais. Bah, j'ai un cousin, à un moment, il travaillait avec une tronçonneuse et il est tombé d'un arbre. Parce qu'en fait, il est un peu bête, il était en train de couper un bois, mais tu vois, pas celui sur lequel il mettait l'échelle. Mais tu vois, en fait, du coup, là, la branche, comme était moins lourde, elle a monté. Et du coup, l'échelle est partie. Et heureusement, il a balancé la tronçonneuse le plus loin possible et il s'est pas pris dans la figure, mais il aurait pu se tuer. Hein. D'accord. Ouais. Ben moi, des fois j'aide mon père avec la tronçonneuse. Ah Je ouais? sais couper du bois. C'est ton père qui fait du bricolage chez toi? J'ai vu, il y a des outils de Ouais. bricolage dans le. Ouais, il est doué et tout ou. Oui, je sais pas, mais ils se débrouillent. Ah ouais. Bon, pour l'instant, en tout cas, je vois pas de Warden. T'es là? Ouais. Ouais, mais non, va pas chercher le Warden, ce sera plus sympa qu'on le fasse ensemble. Là, ce que j'ai envie, c'est qu'on construise des. Surtout le Warden. Alors, je sais pas s'il est plus dur que le Wither, mais en tout cas, il est plus dur que l'Under Dragon. Toute façon, on n'a pas le stuff, je suis même pas faire alors. Ouais. Moi, j'ai rien du tout. Hein. Je crois que j'ai même pas un bloc de fer dans mes affaires. Alors. Eh, hey, mais tu sais, il y avait un bloc d'émeraude là où on était allé spawner. Ça te dirait qu'on aille y retourner juste. Ouais. Bah vas-y toi tu veux, mais Ouais, non, pour j'ai un pas envie de. émeraude. Ouais, surtout en plus, je risque de me paumer.
Par contre, juste, si jamais tu trouves des blocs, tu sais, les blocs en pierre rose, là, je sais plus comment ça s'appelle, le granit, ben, j'en aurais besoin pour mes constructions, en fait. L'améthyste, tu veux dire? Non, pas l'améthyste. Non, c'est la pierre juste de construction, en fait, qui est rose. Le granit. Ah, gris, mais c'est pas rose. C'est blanc, non? Non, oui, mais tu sais, t'en as deux gris, un gris foncé, un gris clair, t'en as un blanc et t'en as un rose. Voilà, là, le rose, je le vois pas. Enfin, il est pas rose, mais il est un peu rose rouge, un peu. Bon, je vois pas, mais si je trouve un bac violet, t'inquiète pas, je te les donne. C'est pas violet, c'est rose. Oh, enfin, rose. Alors. Attends, ouais. Ah ouais, mais toi, faudra que tu ramènes ton lit à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, ça craint un peu. J'ai pas de lit. Ah, ben, tu m'en as fait un du coup? Bah, j'en ai fait un dans ma chambre et il y a celui qui va sûrement être le tien qui est à l'extérieur. D'accord. Par contre, tu vois grosso modo Warhammer. Ouais, le jeu de stratégie. Ouais, le Ouais. jeu de plateau, mais t'as aussi des livres, des trucs comme ça. Et mais du coup, je trouve ça super cool. Et j'ai regardé les musiques et tout des jeux vidéo. Les musiques, elles sont excellentes. D'accord. Ouais. Et du coup, il y a des trucs un peu pas expérimentaux, mais des trucs un peu avant-gardistes. Par exemple, t'avais un jeu, il y a une faction, ça s'appelle, c'est dans les trucs de l'humanité là, qui s'appelle l'Adeptus. Oula, j'ai trouvé un lac de lave. L'Adeptus Mechanicus, en gros, c'est des genres de technoprêtres, ils disent. C'est genre des sortes de prêtres de genre cyborg un peu. Et du coup, il y a un jeu vidéo sur eux qui est sorti, il y a, je crois, en 2020, un truc comme ça. Et les musiques, en fait, c'est un mélange des chants religieux chrétiens avec des musiques un peu expérimentales, industrielles, mais de manière très harmonieuse. Et c'est super bien fait. Et la musique qu'ils ont utilisée pour le trailer et pour également je sais plus quelle scène du jeu, ils ont fait, tu sais, tu vois la bataille de Marignan avec François 1er, la musique. D'accord, bon. Dans le jeu, du coup, ils ont fait au début de la musique, pour composer la musique, en fait, ils ont fait comme c'est un truc de guerre, ils ont fait avec les bruits. Attends, 2 secondes. Oh putain, je crois que j'ai trouvé le bloc pour Warden. Ouais, ben ne marche pas dessus. Ça ressemble un C'est un peu. sort de croc qui s'ouvre. C'est ça, il faut surtout pas marcher dessus. Et quand je m'approche de lui, il fait sombre. Oui, surtout ne marche Déjà, pas on est trop dessus. bien. Ouais, mais Ouais, du je coup, vais pas m'approcher. je te disais au début, ils utilisaient de manière un peu industrielle, ils utilisaient les bruits des armes et tout pour faire un truc, mais harmonieux, et pour faire la musique. Ça, c'est cool et c'est très intéressant. Et du coup, je te disais, la bataille de Marignan, tu sais, au XXe siècle, il y a beaucoup de musiciens qui utilisaient des bruits, la musique bruitiste, pour faire de la musique. C'est comme ça qu'on a inventé la musique électronique après. D'accord. Et ben, ah, j'ai trouvé du fer. Et ben, du coup, la bataille de Marignan, qui date de François 1er, tu vois, c'est début Renaissance, c'était à l'époque aussi de Léonard de Vinci. C'est lui qui a fait construire les premiers châteaux dans la Loire et tout. Et ben, du coup, il avait gagné une bataille qui s'appelait la bataille de Marignan, c'était le nom du lieu. Et c'était une de ses plus grandes victoires. Et du coup, il y a eu une musique qui a été faite. Ouh là, il y a eu un bug. Une musique qui a été faite à son époque, qui s'appelait du coup la bataille de Marignan. Et tu vois, c'était en polyphonie, c'est-à-dire les chants, ils étaient pas, ils étaient, bon, c'était fait exprès, mais ils étaient pas tous en même temps. Du coup, t'avais plusieurs voix qui faisaient le même chant, mais à des moments décalés. Et aussi, surtout, ce qui était intéressant, c'est en fait pour faire les bruits, ils faisaient les bruits des armes à feu en faisant des poum, pala, poum, poum, tu vois, le genre de truc comme ça. Et ça, je trouve ça super intéressant, en fait. Alors, bon, maintenant, ça a vieilli, c'est un peu bizarre. Mais je trouve ça très intéressant de mélanger le bruit avec les instruments plus classiques, en fait. D'accord. Mais moi, j'aime beaucoup. Tu sais, Rammstein, c'est de la musique industrielle. Ils utilisent des fois des bruits, tu vois, de marteau ou des trucs comme ça. Bon, Rammstein, ça va pas trop. Mais les bruits comme ça, la musique industrielle, ils utilisent beaucoup des bruits des industries ou des trucs comme ça, des machines. Ça, je trouve ça super intéressant comme musique. Et D'accord. t'as un genre musical qui est très, très underground. Ça s'appelle le martial industrial, où en fait, ils utilisent des bruits militaires. Tu vois, ils mélangent avec des musiques militaires et des. Oh putain. Et des musiques un peu plus classiques, tu sais, genre Mozart, des trucs comme ça, la musique savante. Et t'as des trucs super intéressants. Et par exemple, t'as un groupe que d'ailleurs les fans de Warhammer aiment beaucoup, c'est Triari, où en fait ils font un peu mélange de musique romaine et tout. Et ça fait très militaire.
C'est très sympa, mais après, tu as beaucoup de groupes qui sont vraiment. Tu sais, comme ça fait référence à la guerre, il y a beaucoup de références au régime totalitaire, et tu as des gens qui ont des idées un peu bizarres. Du coup, ce genre musical, comme tu as beaucoup de gens un peu bizarres, même si la plupart sont pacifistes et tout, bah, du coup, la musique en elle-même, on en parle jamais dans les médias ou tout comme ça, encore moins en France. Ouais. D'accord. Mais tu as des trucs très sympas. Ouais, par contre, j'ai pas de torche. Ok, je vais un peu torcher. Mais attends, mais le minerai violet, enfin ce que tu disais, c'est mais des blocs d'améthyste, c'est violet. Non, j'ai pas dit violet, j'ai dit rose. Alors, pardon. Tu vois le marbre Mais rose? Dans la vraie vie, je veux dire, dans la vraie vie. dans la vraie vie, non. D'accord. Bah, je te montrerai quand tu seras à la surface. L'impression que le diamant il est encore plus rare. Ah. J'allais dire, j'ai l'impression que le diamant est encore plus rare et devine sur quoi je tombe. T'as tombé sur quoi, du diamant? Ouais. Ah ben pile au bon moment. Ironie du sort. Quatre petits diamants. Non, enfin, elle est bizarre cette cave update. Enfin, je trouve pas que les grottes sont si bien que ça. Ah, mais en fait, c'est un peu aléatoire. Et par exemple, dans mon truc de ma partie hardcore, là où j'ai trouvé la grotte qui était dans ma base, d'ailleurs, j'ai construit une sorte de château tout autour, enfin, juste une muraille pour défendre et qui est efficace, j'ai jamais eu de problème avec. Et du coup, c'est cool. Et en fait, dans la grosse crevasse, t'avais des stalactites géantes. T'as les stalactites en eux-mêmes, tu vois, les petits trucs en croisillon là qui sont jolis, un peu dessus, un peu comme les fleurs. Mais t'as aussi les blocs de stalactites et ça te fait des fois des stalactites géants en fait. Et aussi Et des tu peux en avoir stalagmites. dans l'inventaire? De quoi? Les stalactites, tu peux en avoir dans l'inventaire Alors, ou... ouais, les stalactites, tu vois, les petits trucs qui tombent là, les pointes, tu peux les avoir dans l'inventaire. J'essaie de les farmer, mais ça pousse toujours pas, à moins de se mettre du temps, mais. Voilà, j'essaie de me débrouiller. Mais t'as aussi des blocs et ils se mettent juste avec une. Alors la pioche en bois, je sais pas, mais avec une pioche en pierre, ça se ramasse, comme les pointes. Et bah, tu peux construire avec, mais ouais, mais je sais pas comment faire des grosses. Les faire pousser, ça risque de mettre du temps. Parce que dans la vraie vie, en fait, ça met des milliers d'années à pousser les. Ça met des Ah oui, siècles à je pousser. sais. Vous l'avez déjà visité, alors je crois que ça s'appelle la grotte Célestine, il me semble. Ouais. D'ailleurs, Vous l'avez déjà visité? En France, péter aujourd'hui, casser une stalactite ou une stalagmite d'une grotte française, tu vois, dans le territoire français, tu peux aller en prison pour ça. Je sais. Enfin, peut-être pas en prison, mais je crois que tu peux payer une grosse amende. Alors, dans les faits, je pense que tu dois payer une grosse amende, mais après, légalement, les peines encourues, tu peux aller en prison. Mais tu sais, les peines, elles sont pas forcément appliquées. Ben, ça dépend des cas. Ouais, c'est comme par exemple, tu sais, les gens qui maltraitent les animaux ou qui tuent les chevaux, les trucs comme ça. La plupart qui font ça, ils ont juste une amende et ils ont pas de prison. Mais il y a quelques très rares cas où le gars, par exemple, je sais pas, c'est un gros con, ou il fait chier le juge, ou vraiment il était vraiment atroce, atroce, atroce. Des fois, il peut aller en prison. Mais en vrai, en même temps, de toute façon, c'est pas des grosses peines et c'est rarement appliqué ce genre de truc. D'accord. Un gros fond. Mais par contre, chose beaucoup plus grave, les crimes qui sont faits contre les enfants, tu vois très bien le genre de crime que c'est, que ce soit les agressions ou quand c'est plus loin, le crime, ben la plupart, en fait, soit ils prennent du sursis, soit ils sont, enfin, tu vois, la plupart, ils vont pas en prison, en fait. Et s'il n'y a pas de beaucoup de preuves, Ouais, des ça fois, dépend des cas. ou des fois, le juge, il dit que c'est pas très grave ou qu'il faut soigner le gars, mais faudrait au moins les mettre en prison. Ça, c'est quand même beaucoup plus grave que les stalagmites. Ouais. Il reste combien de temps?
Alors, il reste 10 minutes, mais si on fait 40 minutes, il reste 20 minutes. Après, il n'y a pas de temps précis, il faut juste pas dépasser une heure non plus. Ouais, après, mais je... ouais, une vidéo d'une heure, moi je trouverais pas ça intéressant. Ouais, bah on va arrêter dans 20 minutes. Alors, il est 40. D'accord. On va dire. Ouais, on va arrêter à. On va arrêter à 20h. D'accord. Ok, je retourne dans ma mine. Attends, je vais me refaire des pioches. Je trouve plus de diamants que de fer. Ah ouais? Et 12 diamants et 4 fer. Ils ont changé plein de trucs. Ouais, moi j'ai trouvé 6 de fer. Je le mets dans le four commun. Attends, tes lingots de cuivre, je les mets dans le coffre qu'il y a à l'entrée. Tu veux, peu importe. Je les ai cru comme ça. Ouais. Vas-y, je reviens. Enfin, je reviens, remonte. Je vais te montrer à quoi il ressemble le bloc. Attends, ouais, bah t'es pas tout à fait là. Bon, ok, je vais me provoquer des pioches. Du coup, on et il drop quelque chose, le Warden? Ça, je sais pas, en fait, je me suis pas du tout renseigné. Après, pour les grottes, c'est peut-être parce que je suis trop profondément. Ah. Moins 54. Ah ouais, faut pas aller trop profond. Après, ce qu'il y a là en dessous de la couche 0, que tu vois qu'ils ont fait la mise à jour et tout, je sais pas ce qu'il y a en dessous, s'il y a des trucs intéressants ou pas. Après, Et l'ardoise. c'est là où t'as le diamant. Ouais, l'ardoise, quand tu le craftes, quand t'en fais 4, ça te donne. Tu vois, quand t'en prends 4, tu fais un bloc avec, ça te donne des blocs. Enfin, ça s'appelle pas l'ardoise, ça s'appelle pierre des abîmes, un truc comme ça. Et quand tu le craftes, ça te transforme en ardoise, tu vois, t'en mets 4. Et Ardois des ça peut être animaux. très sympa pour la construction. Moi, je vais en servir pour ma base. D'accord. Ouais, j'avoue, je pense que je vais l'utiliser moi aussi. Ouais. Alors, je me suis fait une pioche en fer et je mets trois lingots de fer dans le coffre commun. Ok, merci. Ok. Non, je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Oui, il me faut des. Ah oui, j'ai plus de charbon. J'ai fait de mon charbon. Ouais, non, finalement, je vais faire une maison plus sobre. Ouais, il faudra aussi de quoi. Enfin, il faudra de la canne à sucre. Ah, j'en ai pas trouvé. Et là, je vais essayer. Enfin, il me faut une quantité de nourriture et j'irai. Attends, tu veux que je te montre le bloc en question? Vas-y. Attends, je monte. Par contre, tu sais, là, dans la prochaine mise à jour, un truc comme ça, il prévoit d'enlever le saut automatique. Bah, tu peux le désactiver, hein. Ouais, mais justement, c'est dommage, parce que surtout quand je suis en mode hardcore, ça m'a sauvé le saut automatique, parce que ça comptait pas vraiment comme un saut. Tu vois, attends, le bloc. Tu vois, Nicolas. Là, c'est ce bloc. Mais il est pas rose, il est orange. Moi, je le vois rose. Enfin, tu vois, Bah, pour... saumon, saumon, saumon. Et tu Ouais, vois, avec mon saumon. point Enfin, 4, ce sera à peu saumon, près comme ça. orange. Tu vois la pierre des abîmes là qu'on trouve. Attends, tu vois, je te montre. Ouais. Tu vois ce bloc. Et ben avec, quand t'en prends 4, tu fabriques ça et c'est super joli. Je sais, j'en suis crafté un vite fait.
Allez, vas-y, je vais faire une petite expédition, vite fait. Dehors? Tu veux qu'on se batte? Contre les Non, mobs? mais non, mais... Pour trouver de la canne à sucre. On Ouais. va pas faire de table d'enchantement, ni de... ni de Ah oui, livres. bah oui, il faut des livres, il faut des livres. Au moins que j'en trouve une. Et comme on est à côté de la mer, enfin si c'était une mer, il devrait y en avoir. Ouais. Ah ben, tu... Ouais. Ah ben, si c'est une mère qui te donne pas de canne à sucre, c'est une mère indigne. Nicolas? L'ai compris, je l'ai compris, mais... C'était trop nul. Oh, par contre, Ouais, là, j'ai c'est un pas petit bug. nul. Ça me l'a fait un peu tout à l'heure. Quand je mine un bloc, en tout cas, là, les blocs de charbon, ben, en fait, le bloc, il se casse pas tout de suite et il explose, genre, une seconde après. C'est ce que je t'ai dit, en gros, je pense que c'est Athernos, enfin c'est eux, comme j'imagine qu'ils doivent gérer plein de serveurs, Oui, et parce puis que eux, c'est pas comme c'est le week-end et que c'est le soir, il doit y avoir pas mal de monde. Pas forcément ça, mais en général, je pense qu'il y a juste beaucoup de monde. Ouais. Après, ça drop quand même l'item, du coup, c'est pas gênant. Mais en vrai, là, s'il y avait des mobs ou des trucs comme ça que je devrais me battre et tout, ce serait un peu gênant. Ah, il veut pas se casser ce bloc. Après, c'est ouais, peut-être aussi que ça lag, puisque comme je suis en train d'explorer de nouvelles zones, Ouais. Ou alors je fais la map en ça. solo. Non, je déconne, ce serait nul. Je dis ça pour déconner. Et si... Ouais, non, mais sinon, la génération des biomes, elle est vraiment bizarre, quoi. Elle est pas comme celle que je connais. Attends, est-ce que aussi ça bug aussi parce que comme t'es loin de moi là, ça génère du terrain ou des trucs comme ça. Enfin, ça génère pas du terrain, mais ça doit activer le terrain, non? En gros, non, non, c'est pas ça. C'est en gros, nous, quand on est connecté, nous, alors de ce que j'ai compris, ça génère un chunk autour de nous. Et là, en gros, ça lag. C'est parce que surtout, parce que je découvre d'autres. C'est ça. Au pire, Ouais. on fera l'exploration ensemble. Hein. La table d'enchantement, on n'en a pas besoin tout de suite. Bah, moi, j'aimerais bien quand même la faire. Sinon, je vais trouver une ruche. Ouais, mais la table d'enchantement, Oui, je sais. on fera un bâtiment spécial. Genre, on pourrait même s'amuser carrément à faire une genre de petite bibliothèque, et voilà. En plante, est-ce que tu as trouvé des roses rouges ou pas? Ah, j'ai pas trouvé de rose rouge, mais trouvé un coquelicot. Pourquoi t'en as besoin? Non, mais je viens de trouver des roses, donc je vais Ouais, les... ramasse-les, ramasse-les. Tu vois les fleurs bleues qui poussent dans les marais? Ouais, t'as une fleur Pas spéciale trop. qui pousse dans les marais. Et du coup, celle-ci, elle se génère et tout, mais elle pousse que dans les marais, les biomes marais. Et du coup, bah, j'avais pris l'habitude à chaque fois que je vais dans un marais, en fait, je ramasse les fleurs. D'accord. D'ailleurs, tu sais comment je suis mort pour la première fois sur Minecraft? Tu vois, en fait, là, j'étais sur la tablette, sur la version démo de tablette, la vieille version démo de tablette. Du coup, là, j'étais en mode survie. Dans le mode survie, je trouvais juste que c'était différent, qu'on pouvait pas, je savais pas voler, mais c'est juste, on n'avait pas tous les blocs à l'infini. Et bon, il y en avait certains, genre le bois ou le verre, c'était à l'infini. T'avais aussi de base, t'avais la pioche, la hache et la pelle que tu pouvais avoir, genre à l'infini. Bon, l'épée, on la voyait en gris parce qu'on pouvait l'avoir qu'en version payante. Et du coup, il y avait ça. Et bah, du coup, le seul truc pour moi qui changeait par rapport à la version créative, c'est que en plus, il y avait les cochons et les moutons. Donc quand tu les tuais, ça donnait rien, mais c'était rigolo quand même. Et du coup, là, je me suis retrouvé la nuit, et du coup, il y a les zombies qui poussaient. C'était le seul truc qui avait en mob dans le truc. Et du coup, moi, je savais pas trop ce que c'était, et j'ai eu très peur. Et quand je me suis fait tuer, en fait, c'est parce que je suis allé ramasser les fleurs, en fait, et que la nuit est tombée, que j'avais pas construit de base. D'accord. Je suis mort en ramassant les fleurs. Tout Je pour les suis mort fleurs. avec les honneurs. Alors déjà, sinon là, j'ai découvert une plage. Enfin, il y aura beaucoup de sable pour ton Ah! truc. J'ai trouvé de la canne à sucre et encore une autre fleur. Ouais, ramasse la canne à sucre. Le sable, tu me montreras plus tard. Du coup, là, t'as trouvé ce que tu voulais? Ouais. Ouais, le chemin pour y aller, il est pas trop compliqué, genre il est tout droit ou un truc comme Non, ça? bah non, tu suis juste, comment ça s'appelle, le bord. Ouais, au pire, tu mets des blocs un peu moches pour faire le petit poussé. Non, mais t'inquiète, tu suis juste le bord et c'est tout. Ok. Il y a aussi des tortues. Ah, ça c'est cool.
Et une épave de bateau, tu sais, là, les trucs Ah en ouais, bois. ça par contre, les épaves, là, tout ce qui est, tout ce qui est bâtiment, structure et tout, ça vaut mieux qu'on le pète ensemble parce que ça peut être sympa. Surtout, j'ai jamais exploré de bateau dans Minecraft. Non, mais y a, franchement, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Il y a juste un coffre et c'est tout. Ouais, mais c'est juste pour le fun. Et puis aussi, c'est joli, ça. Ok. Bon, ben, il reste 10 minutes. Allô? Ouais. Et du Ah coup, bon, t'écoutes. j'en Oh, fais. attends, par contre, j'ai eu un gros bug là. Attends, je suis Ouais, moi retourné dans le aussi. passé. T'as eu un bug là? Ouais, j'ai eu un. Ouais. Un Ouais. petit rollback. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé. Voyage dans le temps. Ouais, mais du coup, t'écoutes quoi comme musique en ce moment? J'aime bien, tu sais, la musique un peu celtique, fantasy. Ouais, ça c'est cool. Oh Un peu putain, de ça. la lave! C'est bon, j'ai réglé le problème. Ouais, celtique. T'écoutes plus de métal ou pas du tout? Du rock, mais ouais, Ouais, non un peu, ouais, plus. un peu moins sombre. Des musiques de films aussi. Ouais. Attends, tu me croiras pas, mais j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Orthodox Meme Squad. Et bon, ils font des mèmes et tout sur les orthodoxes et tout, mais eux-mêmes, ils sont orthodoxes. Et des fois, ils font des vidéos un peu religieuses et tout. Mais c'est surtout, ils ont des playlists où en fait, ils te mettent des chansons orthodoxes, mais sur des thèmes, par exemple, je sais pas, des chansons orthodoxes que les, je sais pas, en Grèce, ou que c'est des femmes, ou à chanter pour les, je sais pas, pour les enterrements, ou les trucs comme ça. Ou t'en as un, c'est chanté par les Français et les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, quand ils faisaient la trêve. Tu vois, des trucs comme ça, tout est spécifique. Et il y en a un qui me fait rire, c'était chant orthodoxe, mais tu es un soldat romain intergalactique qui se bat pour Constantinople dans le futur. Mais t'as des très jolis chants. Par exemple, une que j'aime bien, c'est chant des nonnes de. Je sais pas du tout ce que c'est comme endroit, mais de Camarzani, ça te dit quelque chose, non? Du tout. D'accord. Et en fait, c'est. Soit c'est une musique très douce. Et du coup, des fois, quand je joue aux jeux vidéo ou que je travaille, j'écoute ces musiques et c'est très doux. D'accord. Il y en a une, ça doit être en russe, c'est chanté avec une voix très rauque et c'est très. Je trouve ça très intéressant et très spécial. C'est C'est quoi? Crestoud. Enfin, là en lettres français, il y a marqué, enfin en lettres latines, il y a marqué Crestut Tvoyemu, quelque chose comme ça. Ça te dit quelque Me chose? dit rien. Ouais. Non. Chante, hein. Enfin, pas chanter. C'est quoi le refrain? Pas le refrain, mais ça donne quoi Na environ? na 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 na. Enfin, tu vois, c'est le début, ça ressemble un peu à la musique de Palpatine. Ouais, non, ça me dit rien. Ouais, au pire, je te montrerai. Mais dans les chants, ce que j'ai toujours aimé, c'était les chœurs, tu vois, les chœurs, tu vois, les chorales, et les chœurs mixtes. Et genre, j'ai beaucoup aimé dans les musiques de Star Wars, je préférais en fait les musiques de la prélogie que ceux de la trilogie originale. Parce qu'il y avait vraiment les voix et c'était cool. Aussi, dans les D'accord. musiques classiques, j'aimais beaucoup, genre, O Fortuna, enfin, tu vois, les trucs comme ça. C'est tin 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 tin. Ah, c'est. Ah, Tintin, je vois, je tintin, connais. tintin, tintin. Sinon aussi j'aime beaucoup les chants, que ce soit les vieux chants ou plus les chants modernes en latin. Ça c'est cool. Par exemple, tu sais mon jeu d'Alice au Pays des Merveilles? Il y en a un qui aurait dû sortir en 2020 qui s'appelait Alice Asylum. Et dans la musique du... Parce qu'ils ont déjà conçu les musiques. La musique du... Le main theme, là, le thème du menu. T'as une partie qui est en latin et c'est super beau. Et aussi t'as le groupe de métal Epica qui a pas mal de chants en latin qui sont très jolis. Et il y a un groupe qui date de 2020, qui ont sorti un seul album pour l'instant, mais la chanteuse, elle a déjà eu de l'expérience dans d'autres groupes. Ça s'appelle Folterkammer, en allemand ça veut dire chambre de torture. Et c'est autrichien. D'ailleurs, la fille qui chante ça, alors bon, je sais pas si elle est réellement anarchiste, mais tu vois, elle est de gauche et tout. Et bon, la musique ne parle pas de politique, t'inquiète. Et du coup, l'album, il est tout rouge. Et t'as comme une cathédrale, et t'as en gravure la fille avec des crânes. Et c'est. Bon, là, la description, elle est pas très claire, mais c'est super joli. Et les musiques, c'est basé sur le black metal traditionnel. Bon, la qualité du son, t'inquiète, est propre, hein, c'est pas comme les vieux enregistrements. Et au lieu de faire quelque chose dans les voix qui soit violent,
C'est quelque chose d'un peu plus tourmenté en fait. C'est plus subtil et c'est des trucs assez nouveaux. Et du coup, les musiques sont en allemand et en latin. Et je trouve ça super joli. Ouais, c'est bizarre une musique avec Non, deux ça se fait, langues ça se qui. fait, ça se fait. Je trouve ça plus joli que les musiques en français, en anglais, mélange anglais et français. D'ailleurs, j'écoute très peu de musique française parce que les musiques françaises d'aujourd'hui sont pas. Même le professeur de musique est d'accord avec moi, les musiques sont moins intéressantes qu'avant et sont bof et pas terribles. D'ailleurs, les musiques françaises d'aujourd'hui, que ce soit le rap ou d'autres musiques, s'exportent quasiment pas en fait. Parce que t'as beaucoup de trucs, ben, tu vois, c'est nul. Et Le rap, je te comprends. ouais, le rap, ça a jamais été trop mon truc, mais si tu regardes par exemple Akhenaton, là, qui se faisait dans les années 2000, t'as des trucs excellents. Mais du D'accord. coup, la Faltercammer, j'ai tellement aimé que j'ai acheté le CD pour pouvoir écouter dans la voiture quand je conduis quand je conduis la voiture de mes parents. Et j'ai aussi acheté le vinyle. Alors, j'ai pas de lecteur vinyle, j'ai un copain qui en a un, mais j'ai acheté le vinyle parce que j'avais vraiment envie de l'écouter en très bonne qualité. Ok, alors. Oh, du verre. J'ai l'impression qu'il y a souvent des minéraux au niveau des lacs de lave. Non, c'est juste que ils sont Oh plus putain, visibles si tu j'ai failli me comprends. faire écraser. Tu vois là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stacks plus un peu de fer. Tu vois, j'ai 6 stacks de granit, tu vois, le bloc rose là que je te disais. Et j'ai failli me prendre du gravier et mourir juste en dessous d'un lac de lave. Et je sais Ça pas. fait pas mal le gravier. Ouais, mais quand t'es bloqué dedans, tu meurs parce que t'étouffes. Et tu le casses. Ouais, mais. Des fois je panique et je réagis pas trop, alors du coup puis même c'est pour le, tu sais, c'est pour le principe. Et puis j'avais peur que là que au-dessus du que tu vois j'étais juste en dessous d'un lac de lave, j'avais peur que genre la lave après tombe dessus. Ce qui est Il faut possible. que tu fasses ton gravier, c'est que tu casses un bloc et tu mets directement une torche Ouais, à la heureusement j'ai fin. pris des torches avec moi. Ok. Et bien sûr, la porte est ouverte. C'est toi qui as ouvert la porte? Ouais. Et t'inquiète, c'est pas grave. Non, j'ai pas envie de me Tu prendre un creeper. Surtout que les coffres sont pas très loin de l'entrée, en fait. Dans ma base hardcore, la salle des coffres, je l'ai fait à une dizaine de blocs en dessous de la surface. Enfin, de Là, on n'est la... pas en hardcore, justement. Ouais. Et sinon, t'aimes bien un peu la musique classique ou il y a enfin deux, trois musiques classiques et tout qui te plaisent ou pas du tout? J'aime pas le rap, c'est tout ce que je. Après les autres musiques, j'écoute, j'aime Et bien. pourquoi t'aimes pas le rap? C'est la forme de musicalité ou c'est les paroles qui te plaisent pas? Les deux. Ouais. Mais moi déjà, musicalement, c'est pas trop ce que j'aime. Bon, il y a des trucs sympas, mais c'est pas ce que j'aime. Du coup aussi les paroles souvent tu sais comme ça parle de drogue, de trucs un peu sales, de crimes et des femmes de manière très vulgaire. Je trouve ça pas terrible. D'ailleurs moi par exemple ce que j'aime en musique, comme j'aime beaucoup beaucoup le métal ou trucs comme ça, en fait j'aime bien surtout que ça me plonge dans un monde un peu imaginaire. D'ailleurs le tu sais le black metal souvent ils parlaient de Satan ou des trucs comme ça. Ben en fait aujourd'hui ils en parlent plus trop, enfin un peu mais pas trop. Mais c'est surtout en fait c'est des gens, enfin le traditionnellement qui sont assez misanthropes et qui en fait fuient la réalité dans un monde imaginaire. Par exemple, tu as un groupe de metal qui est de black metal qui est très bien, qui s'appelle Dark Space. Et en fait, le gars, il s'imagine des trucs dans l'espace et c'est assez sympa. Mais ça reste dans l'esprit. Et il y avait le youtubeur Sacrifice qui en parlait. Mais du coup, tu as ça. Mais aussi, en poésie, moi, j'aime bien Baudelaire et Gérard de Nerval. Bon, Baudelaire, tu connais, mais tu vois, ça parle, je sais pas, de trucs un peu fantastiques, et moi, j'aime bien. D'accord. Du coup, ok, bon, bah, il est 20h, ça fait 40 minutes là qu'on joue, tu voudrais qu'on arrête un peu? Je fais juste un truc et ouais. Ouais. Tu fais quoi? T'as besoin d'aide? Un tailleur de pierre, je veux voir un truc. Ah ouais, le tailleur de pierre, j'en mets-le à l'entrée parce que ça va m'être utile à moi aussi, j'en aurai besoin pour mes constructions. Ouais. Je vais en faire deux tailleurs de pierre. Ouais.
Ouais, en plus, de toute façon, on a assez de fer. Puis comme ça, quand j'aurai ma propre base, ce sera plus simple. Ah oui, c'est cool, maintenant les lits, quand on saute dessus, ça rebondit. Ça, c'est depuis longtemps. Ouais, mais au début, ça n'existait pas. Et... Bah oui, ça fait depuis... Ouais. Ok, merci. Bah du coup, là, on va quitter. Ouais, attends. Par contre, c'est con qu'on n'ait pas nos skins. Bon, le tien, il est stylé, mais moi, le mien, il fait trop générique, un peu, tu sais, tu vois, les trucs classiques. Parce que j'avais vraiment fait un skin, là, de Kaiser, c'était sympa. D'accord. Ok, bon, ben, au revoir à tous. C'était le Kaiser Suprême. Au revoir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nicolas. Merci. Ok, au revoir.